En ce jour du 26 avril 2021, nous fêtons un événement très spécial ici à l'aquarium. La réouverture ? Ah, sacré Hubert ! Toujours le mot pour rire. Aujourd'hui, nous fêtons les 25 ans de nos trois plus vieux poissons alligators. Cinq ans, vous vous rendez compte? Oh là là, ce n'est pas possible! Eh bien si, ma bonne dame! Chez les poissons, certaines espèces peuvent avoir une espérance de vie extrêmement longue. Le poisson-chat à queue rouge pourrait par exemple atteindre les 100 ans. Même les poissons rouges, s'ils sont bien traités, peuvent vivre 20 à 30 ans. Le record du plus vieux a même atteint les 43 ans. Et oui, c'est assez impressionnant. Ça vous épate, hein? Afin de fêter l'événement, nous avons décidé de vous présenter les poissons alligators plus en détail. Bon, et nous alors? Non, mais vous, c'est pas pareil, vous n'avez que 23 ans. Oh là là, et quel rabat-joie! On peut retrouver cette espèce dans les rivières d'Amérique du Nord, comme par exemple le Mississippi. Ils appartiennent au genre des Lepisosteus, qui regroupe en tout 7 espèces différentes, qui ont en commun 7 apparences, c'est-à-dire des écailles en forme de losange, un corps fusiforme, ainsi qu'un long museau étroit et garni de dents. Cette apparence lui vaut d'ailleurs ce surnom de poisson alligator, car faisant énormément penser à un alligator. Pardon, mais ça c'est un crocodile. Il me donne un cours, bravo! Approche ta joue, je vais te donner une leçon pour la mémoire. Ce rapprochement peut d'ailleurs être accentué par le fait que certaines autres espèces de la famille des Lepisosteus peuvent atteindre les 3 mètres à l'âge adulte. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Heureusement, ce n'est pas le cas pour l'espèce que nous présentons, qui lui mesure entre 60 et 120 cm. Ce poisson est un authentique piscivore strict. Un bien redoutable chasseur, tapi discrètement dans les hauts fonds herbeux, attendant l'approche d'une proie bien dodue. Sa forme, loin d'être anodine, lui permet de se propulser très rapidement dans l'eau afin d'attraper sa proie par surprise. Le seul bémol, c'est qu'il manœuvre très mal les demi-tours, contrairement aux autres poissons. Et il n'a donc pas le droit à l'erreur. Cette capacité de grand chasseur n'est par contre pas très bien vue par les pêcheurs locaux. En effet, il a tendance à s'attaquer aux poissons d'intérêt et à détériorer les filets de pêche. En plus, sa chair est assez fade et ne présente donc que peu d'intérêt à la consommation. C'est pas très bon, hein? C'est même très mauvais. Eh oui. Quelle indignité. Enfin, dernier clou pour sa réputation, ses œufs sont toxiques pour les mammifères, y compris l'homme et les oiseaux. Il leur provoque des malaises, voire des morts chez les plus petites espèces. 12 seconds later. Pourtant, malgré ses détracteurs, cette espèce détient une place privilégiée dans une catégorie très sélecte du règne animal. Il fait partie des espèces panchroniques que l'on peut appeler aussi fossiles vivants, pour parler vulgairement. Il s'agit d'un regroupement de plusieurs animaux très anciens qui ont très peu évolué malgré leurs millions d'années d'existence, et qui, à l'inverse des autres espèces, sont quasiment à leur état primitif. Ainsi, les Lepisosteus existent depuis environ 220 millions d'années, pendant l'ère Mésozoïque. Vous rendez-vous compte? Ils ont connu les dinosaures et leur ont même survécu. Grandeur. Ils sont tellement anciens qu'ils ont même connu l'époque où les Français étaient bons au tennis, c'est dire. Oh la vache! Ah bah ça va, on plaisante. On plaisante. Et pour nos vieux poissons, qui fêtent, je vous le rappelle, leurs 25 ans, sont eux aussi de véritables témoins, mais cette fois de l'évolution de l'aquarium des tropiques. En effet, lors de leur acquisition en 1996, l'aquarium n'était qu'une petite structure située à côté de la mairie d'Alex. Ils ont ainsi connu le déménagement vers son lieu actuel en 1997, et plus récemment, son agrandissement au printemps 2020. Ils évoluent désormais dans un tout nouvel aquarium de 15 000 litres, construit lors de cet agrandissement.
Ils sont par ailleurs accompagnés par une trentaine de jeunes congénères leur tenant compagnie. Nous leur souhaitons encore une longue vie, mais surtout aujourd'hui, nous leur souhaitons un très joyeux anniversaire. I put a nickel in the telephone, dial my baby's number, got a busy line. Each time I...